Voilà, donc une belle sculpture à votre image, puisque vous avez réalisé énormément de maisons. Hein. Oui, des maisons miniatures. Maisons miniatures qui ont fait la force de la Provence, si j'ose dire. Hein. Oui. Alors là, donc, cette sculpture, comment c'est venu comme ça? C'était un concours et au départ, il fallait définir ce qu'était la National 7. J'avais fait plusieurs projets, dont un immense soleil en aluminium. Bon, ça n'a pas été retenu. Ensuite, j'avais fait des voitures qui étaient sur le talus derrière. Mais bon, on m'a dit non, la National 7, c'est une borne. Et j'étais un peu traumatisé dans le sens où c'est quand même un volume assez triste qui rappelle un peu même des bornes funéraires. Et donc, j'ai eu l'idée de percer la borne un peu comme un arc de triomphe avec la forme d'une voiture qui traverse. Et tout le monde ne voit pas cette voiture, mais après, quand on l'explique avec les personnages de chaque côté, on comprend que ce que c'est. Voilà. Ce que c'est avec les mouettes qui sont là, enfin les mouettes ou voilà, les... Voilà. Oui, parce que je voulais donner aussi à côté, là, il fallait donner de la vie à cette borne, que ça ne soit pas qu'un monument plat et sans... D'ailleurs, il y en a une des mouettes et sur un roulement à billes et tourne quand il y a du vent. Ah, voilà. En plus, voilà. D'accord. Il n'y a pas d'autres comme ça de sculptures sur la National 7, d'après vous, tout le long Je crois qu'il y en a une quelque part, mais je ne sais pas. Mais pas aussi importante. Je ne sais pas. Vous savez pas. Je ne suis pas affirmatif là-dessus. Mais enfin, bon, ça a été quand même un long parcours, évidemment, le Conseil général. Bon, il faut pouvoir expliquer tout ça. Et oui. Bon, et puis c'est pas un élément qui est très cher non plus. C'est pas une sculpture qui a coûté une fortune. Ça revenait à combien à peu près? On est autour des 30 000 euros. D'accord. Voilà. Donc, c'est la première fois que vous faisiez des sculptures aussi importantes? Non. J'avais fait une autre sculpture à la sortie du tunnel de Villeneuve-Loubet qui représentait trois personnages en aluminium et qui symbolisait les trois villes, Villeneuve-Loubet et Lacolle et tiens voilà Monsieur Ciotti qui arrive. D'accord. Et Lacolle et Cagnes-sur-Mer. Voilà. Le président du Conseil général qui est là, donc qui vous a bien aidé hein, quand même parce Oui, bien sûr. Voilà, c'est important. Voilà, merci Monsieur Gault. Allez, au plaisir. Journée. Bravo en tout cas. Merci. Bravo Monsieur.